c'est pas tenable et pas souhaitable de fuir la critique. N'y pensez même pas. Et je vous assure que c'est un sujet qui me touche de près. Pourquoi ? Parce que si vous saviez à quel point j'avais un désir immense avant, je vous l'avoue, hein, c'est une émission de confession aujourd'hui, dans mon enfant, j'avais tellement besoin d'être aimé. Et vous connaissez peut-être mon passé, qui n'est pas important cette fois-ci. Mais j'avais tellement besoin d'être apprécié, d'être accepté. Je faisais tout ce que je pouvais pour être agréable auprès de tout le monde. Et à un moment donné, je me suis aperçu que je ne vivais plus ma propre vie. Je vivais les projets des autres, mais pas les miens. Et à l'origine, j'avais la peur du rejet. J'ai régulé cela, heureusement, parce que je peux vous dire un truc. Plus vous réussissez, et plus vous êtes victime de rejet. C'est juste une équation automatique. Réussite égale rejet.